Hello YouTube! J'espère que t'es pas resté sur ta fin la dernière fois. On a reload la sauvegarde. Puisqu'apparemment, quand? C'était buggé, en tout cas, j'étais pas serein de la suite. Donc on va recommencer cette petite phase. Dis-moi que tu reconnais le lieu représenté sur ce Et on va morceau de parler à toile. Sebastian. La bonne nouvelle, c'est que oui. Et la mauvaise? Nos ennuis ne sont pas terminés. Et là, je peux parler. Arigato. Je connais cette côte. Ranrock a pris le contrôle d'une immense mine et de ses environs. Grotalo en souffre. Grotalo. La situation est aussi grave qu'à Feldcroft. Si nous y allions tout de suite, on devrait attendre. Pourquoi? Depuis le début. Parce que j'ai pas fini de looter, Sébastien. Je connais quelqu'un qui pourrait nous aider à prendre l'avantage. Et qui donc? Lockdock. Mais ouais, je crois qu'il m'a demandé de rien dire, non? On va pas le cramer là. Ce sera un peu quelqu'un dangereux. Qui connaît Ranrock personnellement. Il m'a demandé de ne pas révéler son nom. Un gobelin? Dis-moi que je me trompe. Tu sais que mais les gobelins ont lancé un mauvais sort à ma sœur pour la faire taire. Mais calme-toi, tous les gobelins sont pas mauvais. Tu fais pas des généralités, allô? Oui, mais tous les gobelins ne sont tous pas. Les gobelins ne sont pas quoi? Tu as oublié Feldcroft? Mais et putain! La mine qu'on vient d'explorer. Tu l'as oublié aussi? Non, Sébastien, je n'ai pas oublié. Tu m'écoutes pas. Pourquoi j'écouterais quelqu'un d'aussi ignorant? Oh! T'as pas les idées claires là, hein, mon frérot, on va se calmer genre tout de suite. Prends le temps de respirer. Non, je sais très exactement ce que je dis. You are doing n'importe quoi, Sébastien. J'essaie de faire avancer le truc et il me pisse dessus, mais putain, mec! Allô? As-tu parlé à mon oncle? Non! Mais pourquoi la caisse me parle? On se casse! Y'en a marre. J'espère que le professeur. Je crois que ma prochaine amélioration de balai sera encore plus impressionnante Allô que la dernière. Oui. Je vous attends un beau balai dès que possible. J'arrive. J'arrive. J'encule la porte s'il le faut. Non, mais je suis bloqué. Ah voilà. Le jeu, il fait un peu ce qu'il veut là. Hein. T'as Sébastien quoi. Réveille-toi, mon frérot. Hein. Faut que j'aille voir Ominis. Rebellio. Moi, je suis le pote de Sébastien il y a que 2 minutes depuis. Hein. Ah, mais c'est ça, je peux réparer cette merde. J'ai vu ça dans le. C'est marrant ça. J'avais vu ça dans le trailer du jeu, je pense. Ah oui. Alors, il y avait cette épreuve là, El Famoso. Mais on fera ça une prochaine fois. J'ai pas envie de m'attarder là-dessus. On va parler au portrait. Oh, j'ai entendu un bling dans Poudlard, ça c'est rare par contre. Ça fait longtemps. On va aller voir le bling après. On va aller voir le bling et into la quête pour le balai. Qui vient tout juste de tomber, donc ça c'est cool. On va pouvoir améliorer notre balai. C'est une demi-guise. Révelio. Y'a pas de demi-guise. Oh, y'a une demi-guise, bordel de merde. Une demi-guise. Faut aussi que j'aille à Préolard pour vendre mon bordel. Votre attention, on m'a averti que plusieurs membres de personnel souhaitaient organiser une réunion conviviale. Je ne m'y opposerai pas et laisserai les personnes souhaitant fraterniser y participer. À condition que ces activités aient lieu hors des heures de cours et que les festivités ne perturbent pas ma concentration. Je serai probablement occupé à la date prévue, mais je déciderai de ma participation une fois l'invitation reçue. J'imagine bien que mon absence risquerait de gâcher l'événement. On parle de qui là? Une demi-heure devrait suffire pour ce dernier. Je préfère vous prévenir qu'aucune ambiance musicale ne sera tolérée. Phineas Nigelus Black, directeur. Postscriptum, aucun mets sucré ne sera servi de peur qu'il n'attire un rat ou un flaireur. Par ailleurs, essayez de limiter le nombre de convives à 4. Qu'est-ce que c'est que ce nazi? Putain, j'en peux plus. You do not have fun, directeur? Rebellio. Oh, c'est une armoire qui te montre un démon. Non, comment? Le truc là, je sais plus. Ouais, épouvantard, voilà. Un vieux placard dont on raconte qu'il a autrefois contenu un puissant épouvantard. Il aurait fallu 5 professeurs pour le repousser, car il se transformait en loup-garou, en tornade, en haggis, en magyar à pointe et même en belle-mère. Dans la famille Black, on connaît pas le mot fun, sauf Sirius.
pas sûr que Sirius était un mec fun non plus, hein. Ça discute. Rebellio. C'était le bling. Ok, j'ai le bling. Eh, ces chapeaux là, c'est ceux de... comment? De Beaubaton, non? C'est pas ceux d'ici, hein. C'est l'Académie Beaubaton. Peut-être des portraits qui en parlent. En tout cas, il me semble, je suis pas sûr. Ok, bref. On va attendre, parce que j'ai la flemme de revenir ici. Il me semble, hein. On va cliquer. C'est parti. Tu es à moi à présent, 2010. Oh oui, t'es à moi, bébé, viens voir. Il m'en fallait 13, on doit être à 4 ou 5, malheureusement. Pas bien plus. Ça se passe dans inventaire. Ah, c'est vrai que j'ai des sombrales. Waouh! Potato! Merci beaucoup pour le Prime. Merci d'avoir claqué le Prime, c'est très gentil. Je pense que c'est Max qui est aux commandes. Merci du coup. Des gros bisous. Et merci, merci pour le Prime. Merci beaucoup. D'avoir voté FUF TV. Nous sommes en dictature. De rien. J'en ai 8 sur 13. Un plaisir. Eh bien, plaisir partagé. Merci pour l'argent. Hop là. Alors du coup... Rebellio. On va absolument pas traîner là. Il faut que j'aille vendre mon bordel. Je sais plus où je me téléportais avant. I forgot. Ouais, on va aller voir... Attendez, on va aller voir Connard là, avec ses créasors. C'est bon. Merci beaucoup pour vos abonnements. Hein. C'est une grosse session d'abonnement aujourd'hui. Il y a Julien qui est passé à tout à l'heure. Là, on a Maxime. Merci beaucoup. Merci. 6 abonnements du coup. J'ai l'impression que toutes les routes mènent à Préolard. Rebellio. J'ai oublié un truc crucial, j'ai l'impression. J'ai pingé ça déjà. Après, on va débloquer le balai. Salut connard. Bonjour, entrez. Achète mon bordel. Ne parle pas. Ah, j'ai oublié de faire le tri, oui, c'est ça. J'aurais dû passer par la salle sur demande. Ça y est, je reconnecte. Je reconnecte avec ce que j'aurais dû faire. Pardon YouTube. Putain, mais mec, j'ai... Ça prend zéro place, hein. J'ai vraiment pas beaucoup d'objets sur moi. Hein. J'en ai pas beaucoup, hein. Et je suis déjà full. Ça me pète les couilles. Tant pis. Voilà, on vend tout ça. Ça, je sais pas si c'est fort. Ça, c'est sans doute de la merde. J'aurais mieux. Oui, voilà, j'ai mieux. Voilà, j'ai d'office mieux. Ça dégage. Alors, qu'est-ce que tu vends? C'est un grand pot, ce truc-là. 5 petits pots. 2500 balles. Tu te fais pas chier, connard. 3 petits pots. 5 petits pots, 2500 balles. Rien de tel. C'est colossal, hein, comme ça. Ce que l'on cherchait, ne faites pas ça à la maison. Pot moyen, 3 pots moyens, 3 petits pots, 3000 balles. Rien de tel que de trouver exactement ce que l'on cherchait, n'est-ce pas? Si je sais pas, j'ai pas trouvé. On avance. Ok, direction, voilà, la quête pour le bâton. Le balai. Le balai. C'est là. Police. Vous revoilà. Quel plaisir de vous voir. Comme la dernière fois, vous bénéficierez d'un tarif spécial sur cette amélioration de balai. Oh, tu vends des trucs. Tu es sûr? Heureusement qu'il nous fait un prix, ce fils, hein. Accroît considérablement l'accélération. Étrangle-toi avec. Ce balai fera votre bonheur, je vous le garantis.
Merci de votre visite. La nouvelle amélioration est prête. J'ai hâte de savoir ce que vous en pensez. Cela vous paraîtra peut-être présomptueux, mais... Vous voulez que je vous fasse un rapport encore plus détaillé? Vous me connaissez bien. J'y suis presque. Ouais, malheureusement. Je le sens. Je pense pouvoir améliorer encore un peu le vol sur balai. Miss Reyes organise une course sur le parcours de la côte sud. Oh, j'arrive. Ce n'est pas l'idéal. Les rumeurs disent que les fidèles de Ranrock et les serpents cendres sont partout. Ça fait partie du tracé. Si on va se prendre 2-3 Avada Kedavra sur les chevilles. Enfin, je crois. Ça me fait pas peur, même à l'usure, j'y crois encore et encore. Je vais essayer de trouver une aide. Des sacrifices. S'il le faut, j'en ferai. Cette amélioration balayera la concurrence. J'en ai déjà fait. Toujours le poing levé. J'ai hâte de vous revoir. Allez, c'est parti. Je pourrais peut-être tester la nouvelle amélioration en cours de route. C'est pas, y a pas de peut-être, Herbert. On va le faire. Tu traverses ce pont et on est parti. Est-ce qu'il existe plus accueillant que Préolar? C'est parti. Alors, ouais, c'est un peu plus, c'est un peu plus rapide. Il y a un peu de ça, hein. J'ai surtout plus de boost, j'ai l'impression. 4000. Chat, attendez, vraie question. On fait le trajet comme ça ou pas? C'est important, hein, faut me le dire maintenant. Attends, faudrait que j'update le lien aussi, c'est vrai. Là, il y a ça là. Moi, j'aime bien l'étape d'astrologie, on devrait en... On va en dégommer 2-3 quand même. Revelio. Ah là-bas il y en a une. Non mais voilà, si je papillonne pas un minimum, est-ce qu'on est vraiment sur FUF TV? J'ai envie de vous poser la question quoi. Merci pour le clip Florence, merci. Si on m'avait dit que j'allais chanter du Hamel Ben ce soir, j'aurais pas cru. C'est effectivement le cas. Je me demande qui vivait ici. Hop là! Allez, on fait ça vite fait. Revelio. j'ai presque honte. Incendio. Je fais cramer ça pour rien. Ah ouais. Ok, bah je fais quoi du coup? Ah, j'aurais peut-être dû... Attends. Je pense qu'il faut caler un répulso. Pardon YouTube. Répulso. Ça va coller? Incendio. C'est pas répulso, vous êtes sûr hein? Revelio. Comment je fais pour y aller? Ah, il y a la caisse de merde là. Non, attends, c'est sérieux là? C'est ça qu'il faut faire? Non, je t'ai venu faire un truc facile. Oh là là. Ah ! Là. Quoi ? Mais je dois en faire quoi de ce truc ? Oh bon sang, bordel. Ok, j'arrive. C'est très le parcours avec Herbert. Hein. C'est bon. C'est en bas que ça se passe. Pas forcément. Je me suis fourvoyé. Donc attends, je fais ça, mais ça sert à que dalle, d'accord, j'ai la ref. Suivant. Ok, ça se passe là. Ensuite. Rebellion. Ensuite, on sait toujours pas où on va, j'adore. Répulsion. Ok, par là, I guess. Rebellion.
Ah, je sais pas où je vais, wesh. C'est quoi ça? Un cube. Ah, c'est là où je crois. Attends. J'ai vu un truc. Cet endroit a connu des jours meilleurs. Oui. Big Brain. Oui. Non, attends, comment je fais? Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Je dois aller par au-dessus peut-être? Certainement pas. C'est par ici peut-être. Atterrir, Herbert, c'est pas une question, voilà. Incendio. Yes. Jesus. Ok, encore un et on pourra augmenter. Pour augmenter notre charge de magie ancienne. Magie ancienne. Il y a aussi une table de. D'astrologie là pas loin. Attends. C'est genre là-bas, ouais. On fait ça vite fait et puis. On va faire la quête pour le balai, ok? Putain, il y a ça juste là. Voilà l'une des tables dont le professeur Chat a parlé. En plus, j'ai oublié ce que ça débloquait, ce genre de truc. Elle sera utile une fois la nuit tombée. Arrive. Sérieux là? Monsieur l'agent. Mais attends, je suis en plein dessus, c'est quoi ce délire? Le corbeau, El Famoso. Oh, 5 sur 5, j'ai débloqué quoi? Oui. Ça va être... Attendez, ça va être un truc nul. Attention, je lancerai bien un vote dans le chat, mais on n'est pas assez. Est-ce que ça va être un truc nul? Suspense, le suspense me bute. Vous n'êtes pas prêt, moi non plus. Ça, c'est ça. Oh, c'est une apparence de balai. Balai brasier. Il y a un truc après encore. Extension. Ah, c'est ça que tu débloques, hein, trop bien. Voyant cosmique. Let's go. J'ai l'écharpe de voyant cosmique, les gars. Ah ouais. Quand est-ce que j'ai fait ça? Quand est-ce que j'ai fait le deuxième secret de poule là? Apparence d'équipement que de pie ajustée. Je me souviens pas. Nous avons des points de talent à investir. Alors on misait surtout sur ceci, je pense. Les ennemis touchés par stupéfix restent étourdis plus longtemps. Lancer de magie ancienne permet d'attraper et de lancer les armes sur les ennemis désarmés. Pourquoi je veux... Pourquoi ça me... Comment? Je suis pas sûr que ça m'aide à faire quoi que ce soit d'intéressant. Bizarre. Chaque chou mort d'Order Sheen, un deuxième chou. Ouais. Potion maxima augmente les dégâts, brise le bouclier. Je me sers pas trop des potions. Ouais, breuvorage et tout, ça a l'air fort, hein. Je devrais y penser au moins à breuvorage en tout cas. Ouais, faudrait que je m'y intéresse. Les tentaculas, je m'en sors encore pas mal, donc ça c'est ok. Bombarda déclenche l'explosion avec une large zone d'effet. Ça m'intéresse. Ennemi gelé, j'ai oublié. Les ennemis touchés par un sortilège de métamorphose se transforment en objet explosif. Oh waouh! Ce serait pas RP si je le prenais pas celui-là. Mais il y a Bombarda aussi. Les deux sont bien. Putain, métamorphose, j'oublie mais... Non, je vais oublier métamorphose, c'est sûr. Bombarda, je joue encore un peu. On prendra l'autre après. Ok. It is time. Je m'envole. Non. On m'avait dit que c'était un open world. Mais on m'a parlé de la côte sud, alors pourquoi je fais face à rien? Dégage.
Si vous voyez l'icône de papier superposé quelque part, passez votre curseur dessus pour dévoiler les icônes cachées qui se trouvent au même endroit. Ah oui, non, c'est... Oui, ok, c'est pas un, un secret, genre, c'est... Ok. Des trucs superposés, quoi. Où est-ce qu'elle m'emmène? C'est une blague, c'est là? Mais je peux pas aller, là, je crois. Ok, c'est mystérieux, on va essayer d'y aller quand même. Putain, les tables d'astronomie de merde, là. Qui te font débloquer un cosmétique. Pfff. Là, franchement, ils ont abusé. Ils ont un peu trop compté sur le fait que y a des Potterhead qui jouent à ce jeu. Et du coup... Enfin, ils ont trop misé sur les collectibles. Et ça, c'est chiant. Vraiment, c'est chiant. C'est pas là. Moi j'aurais voulu avoir des vrais power-ups pour pour chaque truc facultatif que je fais quoi, franchement ça aurait été bien plus stylé je pense. Je suis en train de me paumer. Ah c'est cassé. Tu dois passer par en dessous de la montagne. Oui mais du coup c'était pas... C'est fermé ta merde là, attends. Bon, on va très vite le savoir, attendez. C'est là. Dans la mine. Hâte que cette journée se termine. Petrificus Tantalus. Attends, je l'aurais bien poussé. Ah oui. Ah oui. Pas de témoin, pas de crime. Je rappelle. Rebellio. Pour les novices. Oh, j'ai la flemme de looter. Moi, je suis juste venu faire du balai, wesh. Va faire le guet. Comme si je n'avais rien de mieux à faire. Petrificus Totalus. Exploser un sentinelle avec bombarda pendant qu'il charge un sort. Oh non. Tu as la discrétion d'un grave corne. Retourne-toi par contre, tu fais chier. Ok. Petrificus Totalus. Ah! Je suis obligé de te soulever tes grands bras. C'est bon. Du coup, il y a un TP à récupérer là, quoi. Surprenant. Ça pourrait être dangereux si je ne fais pas attention. Semble que... Bon, on les a bien défoncés quand même. Hein. Mais je peux voler là? Non. C'est bizarre qu'on fasse passer par ce... Ouais, je sais pas. Ils auront ce qu'ils méritent. T'as bien failli me la mettre à l'envers, toi. Petrificus Totalus. Bon ça se fait hein. On va passer à travers ce truc into la quête. C'est promis chat, c'est promis YouTube. Il y aura du contenu. Rebellio. Merde. Attendez, on est d'accord que je fais complètement le bolos sans trigger qui que ce soit. Mais je suis invisible ou pas? Ah oui. C'est bien ce qui me semblait. Ogbert le singulier. Au revoir Ogbert. Ce fut un déplaisir. Je vais essayer de le bolos mais comment? Rebellio. On va s'arranger quoi. Je suis un ninja. Rebellio. Donc là j'ai dû bait un connard ou deux quand même. Ah non, tiens. Si, quand même. Bon, j'aimerais ne pas gaspiller toutes mes charges sur des sbires. Il me faut le singulier là, Ogbert.
Du coup, ouais, ils seront deux. Moi, ça devrait aller. Hein. Paf! Oh putain, j'ai atomisé Ogber. Ah, je pensais pas que j'allais l'avoir en one shot, vu qu'il avait l'air important. Revelio. Rip Ogber. Et il m'a lâché un item. Revelio. Attends, donc. Je dois aller par là-bas, oui. Du coup, ça, c'est secret. C'est secret du loot. Oui. Caresse-moi avec des piécettes. Comment ça, c'est de la merde? Attends, non, il y a mieux. C'est marrant que je fasse toute la quête en furtif. Quand c'est facultatif, mais alors, quand c'est une quête principale, mon gars, tu... Crois-moi, je me fais cramer au bout de 30 secondes, hein. C'est à chier. Tout ça pour ça. Hop là. Accostage réussi. J'ai débloqué un truc, chat. On verra ça plus tard. Il y a un bling. J'entends un bling, voilà. Boussole ancienne. Malheureusement, le fait que cette boussole ancienne ait été perdue ici signifie que le moldu à qui elle appartenait doit sûrement errer à travers le pays de Galles à l'heure qu'il est. Il a fait ce qu'il veut. C'est quoi le problème? Ok, moult loot, moult choses. Donc là, on est passé à travers la mine. On peut s'envoler à nouveau. Ça a l'air joli. Revelio. Ça a l'air plutôt joli. Encore des conneries de Merlin et tout. J'ai la ref. On va pas faire tout ça. Eh, y en a vraiment énormément des épreuves de Merlin. Y en a vraiment une turbo chier. Hein. Terminer le combat, attends. J'ai pas l'intention de me battre. On va se calmer. Je suis venu faire du ballet à la base. Hein. C'est un peu dévié là, mais... I'm gonna ride my ballet. Hein. Il y a peut-être des nouvelles... comment? Des nouvelles espèces? Qu'est-ce qu'on a croisé en fait là? Oh, des moutons nuls. Mais pourquoi je peux pas avoir des moutons moi dans ma salle sur demande, hein? Si j'ai envie de collectionner les moutons plutôt que les licornes ou les sombrales, hein? Putain. Paye ton open world à choix multiple, quoi. Il y a une table d'astronomie, mais ça marchera pas. Alors ça, si c'est pas un secret... Ah purée, on est déjà tombé là-dessus. Je suis déjà tombé sur ça et j'avais pas compris. Quoi ? Quoi ? Faut juste atterrir dessus ? Mais ça débloque quoi? Qu'est-ce que j'ai fait? Ah bordel! Uniforme de capitaine de Quidditch. Y'a même pas le Quidditch! Y'a même pas le Quidditch dans votre jeu de merde! pardon. C'est pas un jeu de merde. Oh. Magnifique casque hein, pour Herbert. Mais du coup, c'est ça, faut juste poser son fiac dessus et tu débloques. Ah, c'est spécial, hein. Ok. 40 mages noirs, bouclier protégo. Ça troll. Les récompenses me trollent fortement. Pouvoir... Résistance au pouvoir des gobelins 3.
C'est vrai que j'en croise pas mal, j'aurais peut-être m'équiper de ça au moins. Ça, à la rigueur, c'est pertinent. Waouh. Oh, waouh. Ok. Alors, juste pour tester, on va équiper la citrouille sur la tête d'Herbert. Ce serait dommage de se priver. Je sais pas à quoi je m'attendais. Je sais pas à quoi je m'attendais. Pas terrible. Alors que ces hauts de forme sont de toute beauté, si je peux me permettre. Ça fait très cosplay raté en fait, parce qu'il y a des lunettes sur le chapeau et il y a des lunettes sur son visage aussi. Le mec a rien, il a rien pensé quand il a fait son cosplay. Mec, c'est pas logique ce que tu fais là. Ta gueule, c'est stylé, ok, tu comprends rien. Je n'échangerai pour rien au monde mon chapeau entortillé. C'est pas celui-là. Il y a aussi ce modèle-là, du coup. En vert. Ah là là. Ok. On a un nouveau manche, attendez. Celui-là que j'avais été pas trop mal. Oh! Oh pimp! Oh pimp! Cette sublime poignée à l'allure royale brille de nuances or et turquoise. Ah, j'aime beaucoup! Ah, c'est pimp! Magnifique. Je prends. Nourage de mon manche de baguette. Vas-y, on se casse. Allez, on va la faire cette épreuve. Hein. Putain, ça a arrêté pas mal de fois. On va essayer de trouver un feu à proximité aussi. Revelio. En fait là, si je pouvais le Revelio, ce serait stylé. Ça m'intrigue. Attends, y'a rien là, sans déconner? Non, je refuse. Y'en avait un juste là, wesh. J'ai pas trop la rêve de où on se trouve là actuellement dans le monde de Harry Potter. Voyager était incroyablement pénible avant que j'arrive. Qu'est-ce que c'est que ça? Pourquoi il y a eu le feu? Non, c'est pas mon problème. Arrête tout de suite. Il indique un truc lui, non? Ah, je sais pas, là, il y a trop de trucs. Je ferai ça en off. Vous savez quoi? Je vais au moins jouer. Deux fois plus en off que en stream. Hein. Y a tellement de trucs, c'est vraiment abusé. Hein. Ah, c'est les flaireurs. J'en ai déjà. Y a trop. Je le ferai en 100%, mais pas en live, c'est sûr. Ça ferait 40 000 épisodes. Ce serait intéressant pour personne, je pense. C'est déjà difficilement intéressant avec la quête principale. Voilà quoi. C'est con, mais y a pas de pêche dans le jeu. Y a pas d'exploration sous-marine, y a pas de pêche. Alors que pourtant on voit des poissons et tout. Ouais, c'est fun. Ça aurait été sympa quoi. Petite feature sympa. Un truc avec l'eau en tout cas, ça aurait été sympa. Ah, attends, c'était des Dirico, mais j'en ai vu un blanc. Revelio. Je crois qu'il y a un Dirico Shiny. Oh! Il y a un Dirico Shiny, les gars, je suis quasi certain. Non, attends, il y en a plusieurs. Mais du coup, je dois m'en approcher pour. Mâle, femelle. Je rappelle que les Shiny sont une réalité dans ce jeu. Mais. J'en ai pas des blancs comme ça. Vas-y. Ah, c'est un vide. Je
Je me sers. Toi, je ne te veux aucun mal. Il vivait sa meilleure vie, mais c'était avant. Hop là. Bon alors, cette fameuse épreuve. Le shopping. J'espère que tu vois un paquet de thunes chez Pic et Pec. Calmez-vous. Le circuit a l'air désert. J'espère que tout va bien. Bonjour. Souffle, par ici. Tu me parles autrement ? Je m'appelle Herbert de la Grenade. Et tu vas me respecter parce que ça fait deux fois que je te lève les couilles. Le circuit se trouve assez loin du château, non ? Évidemment. Mais trop loin pour la plupart de nos camarades. Pathétique. Ils devraient me supplier de continuer à organiser ces épreuves. Personne ne va jamais te supplier ta gueule ! Je suis étonnée de voir notre camarade de cinquième année. Mais il faut souligner l'effort. Tu es en train de me remercier ? Je sais que je m'emporte vite, mais les gens qui ne prennent pas les choses aussi à cœur que moi m'agacent. Et d'expérience, ça veut dire tout le monde. Bref, essaie de ne pas laisser tout ça te monter à la tête. Mais assez discuté. Ça m'étonnerait que tu arrives à battre mon nouveau record. Ah, je pensais pas que t'avais autant d'humour, ma grande. Voyons un peu comment je m'en sors. C'est parti. Que dirais-tu d'une défaite, pouf souffle ? Que dirais-tu de fermer ta gueule ? Putain, bon, c'est bon, on se voit dans deux minutes, ça va, j'arrive. Ce vol était impressionnant, sans vouloir me vanter. Génial. A bien fermer sa bouche la prochaine fois que je la croise. C'est moi qui vous le dis. Ça n'a pas été trop dur. Fantastique. Est-ce que je vais enfin fermer sa bouche ? Putain, J'espère que je pourrais bien lui rouler dessus. Franchement, si on règle ça avec un duel de sorciers, moi je suis chaud, hein. Je suis grave chaud, hein. Genre, elle pète un câble et tout, on se bat limite à mort et tout. Je m'en bats avec moi, je la soulève, hein. Je la soulève sur tous les fronts, hein. Y'a pas de problème, hein. Herbert, fais pas genre, on a le contrôle, là, c'est bon. Qui est con. Okay. Un peu trop serré, là. Honnêtement, je me balade, hein. L'espace est grand, je trouve. Les anneaux sont pas assez resserrés entre eux, y a pas assez de sinuosité, on va dire. J'adore cette sensation. Ah merde, fallait passer en dessous. J'ai réussi. Ah là ça commence. Ah là ça joue là. Ah là ça joue là. J'ai raté, c'est pas grave. J'étais mis 10 ans. Oh putain. Bon, ça doit aller. Trois secondes de pénalité, ça va, je m'en sors. Hein. Alors. C'était assez incroyable. Beau travail aujourd'hui. Mais ne te repose pas sur tes lauriers. Je vais te rattraper en un rien de temps. Tu rattrapes rien du tout, ta gueule. Je vais croire quand je vais leur dire. Ils sont presque aussi compétitifs que moi. Presque. Ah, ça doit être incroyable de vivre avec ta famille. Cette famille. Est-ce que ton esprit de compétition te vient de ta famille ? On peut dire ça. Mon grand-père a joué au Quidditch au club de Flakmar. Et mon père, il était poursuiveur à Serpentard. Poursuiveur ? Mais il a dû arrêter quand un sort lui a brisé les genoux. Chez ! Il a dit que ça venait du batteur de Gryffondor. Et moi, ouais bah. Je suis tombée amoureuse du vol la première fois que j'ai vu le sol disparaître sous mes pieds. On ressent une telle liberté sur un balai. Je n'ai jamais réussi à m'arrêter. La drogue, c'est mal. Tu prévois de rejoindre une équipe de Quidditch ? Mais elle est déjà, non ?
C'est pas une capitaine, justement ? Je parie que tu veux jouer dans une équipe. Mais laquelle ? Ah oui, une équipe off... Je suis une poursuiveuse née. Comme mon père. Tu le saurais si Black n'avait pas interdit le Quidditch cette année. Quant à l'équipe, ce sont les harpies de Hollyhead qui me font rêver. Une fois l'école finie, je tenterai de les rejoindre. Et si pour une raison ou une autre, je n'y arrive pas, je ne sais pas ce que je ferai. Quoi ? Gros projet d'avenir, bravo à toi. Peut-être. La pote. Parce que si jamais ça se passe comme ça, vous feriez aussi bien de me mettre en peau comme une mandragore. J'arrêterai jamais de crier. C'était amusant d'essayer de battre ton record. J'imagine que c'était drôle à un moment. C'est vrai, c'était amusant. Je suis contente que tu sois là. Ah bon ? Pas mal. Pour quelqu'un de pouf-souffle. Ta gueule. Je t'ai roulé dessus. À toi. Trois fois d'affilée. Trois fois en first try sur tes terrains de prédilection. Je devrais informer Monsieur Wicks que c'est sa meilleure amélioration à ce jour. Je suis troisième, putain. Putain, 2-13. Ah, j'étais sur le point d'être... j'étais sur le point d'être deuxième si j'avais pas raté l'anneau, là. 2-13, c'est... Wow. Ok. Du coup, si t'es premier à tous les circuits, il se passe quoi ? Vraie question. Il y a un truc de monstre là-bas, on va vite checker ça. Et puis, on va trouver une autre quête à faire, hein, c'est ça. Y a pas un flaireur shiny ? Alright, on se TP, c'est parti. Dans le royaume de fort fort lointain, se trouvait une course qu'Herbert venait de dérouler. Hop là. Alors pour ceux qui veulent, on fera peut-être un petit peu de Isaac tantôt. On verra d'ici 2 heures, je dirais. Le sortilège. Comment va notre spécialiste you. Du test de balai ? Ouais, c'est moi. J'ai cliqué. C'est encore moi. J'ai établi un nouveau record sur le parcours du Sud. Fantastique ! Votre balai a été performant ? La meilleure amélioration à ce jour. C'était un véritable plaisir à manier. Ouais, ça mais passe, j'imagine. Maintenant qu'il va si vite, je sens le vent s'engouffrer sous le siège. Alors, il ne réalise pas son plein potentiel. Bien sûr ! J'aurais dû m'en douter. C'est exactement le genre de rapport que j'attends de votre part. Au moins, je pense savoir ce que... On est d'accord que je suis pas payé pour ces trucs-là. Tu me fais une réduction sur les améliorations que je t'aide à faire. C'est quand même un peu scandaleux. Ce système ne marche pas, hein. Je reviendrai bientôt vous voir, Monsieur Wicks. Je ne manquerai pas de vous envoyer un hibou lorsque j'aurai terminé. Merci encore pour votre aide. Je suis ton seul client en plus, connard. Je n'aurais rien pu faire sans vous. Bref. Tant mieux pour Monsieur Wicks. Monsieur Wicks et moi-même formons une bonne équipe. J'allais faire un truc intelligent, pour une fois. J'ai oublié. Réveillon. Oh, un enfant. Enfin, je crois, hein. Ouais. Putain, c'est plutôt rare de croiser ça dans ce monde, hein. Réveillon. Ça. Ces trucs là, j'avais quand même pas appelé ça autrement. Tout ce dont les élèves peuvent avoir besoin en matière bonjour. De potions. Prenez le temps de regarder. Je me suis perdu. Crotte de nez de troll. Ah putain, c'est vrai que j'ai encore eu le temps d'accumuler du bordel. On avait dit qu'on allait passer par la salle sur demande, hein. Ça dégage. Ok. J'espère vous revoir très vite. À bientôt. Sans doute pas. Hop là. En tout cas, YouTube, j'espère que ça t'a plu. N'hésite pas à cliquer sur like et sur follow si c'est le cas. Et on se revoit dans le prochain épisode. Salutations, à la prochaine. Ciao, ciao.